Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme Invoyance, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo. Je pense que ça fait longtemps que vous attendez à une vidéo sur ce thème-là, puisque en fait, ça fait 3 jours que je poste des vidéos qui n'ont pas un grand impact sur ma chaîne. Même celle de François Hollande, je trouve, bon, au niveau de vous avez été top, hein. Vous avez liké mon travail et tout, vous avez apprécié la vidéo, bien évidemment. Mais bon, je suis un peu déçu au niveau des vues, mais c'est un peu normal. J'ai décidé de faire un tirage sur la grève de demain. On sera le 6 janvier. J'ai entendu parler qu'il y a une grève. Alors, c'est assez compliqué. Le chiffre est en baisse, tout comme les gilets jaunes. Le chiffre a été en baisse avec le temps. On est toujours à plus de 100 000 manifestants. Mais après, il faut savoir qu'à Paris, il y a eu une interdiction de manifester. Ensuite, il y a eu des lois et des tout. Et tout est mis en scène pour que tout rate. Et en fait, tant que le peuple n'a pas compris qu'il faut une révolte et qu'il laisse, hop, la police dit, il n'y a plus de manif, eh ben on rentre chez soi et on abandonne la manif, on a perdu. Je vous le dis d'avance, si ça continue comme ça, on est parti perdant. On s'est retrouvé à 2 millions de manifestants, on est tombé à 150 000. Je ne sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Je suis honnête avec vous. Hein. Ça ne sert à rien que je vous mente et je vous dise, oui, on va réussir. J'étais dans cette optique-là. C'était formidable ce qu'il y a eu. Mais j'espère vraiment voir que les gens vont prendre conscience des choses. On a la première carte, la roue de la fortune, qui indique un changement. Il y a un changement à adopter, il y a un changement à faire. Pour demain, ça va de nouveau changer. Il n'y aura pas le même entrain que d'habitude, la même manifestation. Alors, je ne sais pas le nombre de personnes, on verra bien. Et je sais que les TER, par exemple, et tout, il y a 2 sur 3, donc 1 sur 3 qui est en grève, qui ne va pas rouler. Mais bon, ça ne suffira pas. Et ça, à part emmerder les gens, ça n'emmerde pas le gouvernement. Encore une fois, faites des circulations gratuites, là, ça emmerdera le monde. On a la lune, une nouvelle déception pour cette manifestation, pardon. Je suis honnête dans mes tirages, hein. je suis honnête dans la façon de parler, même si je ne devrais pas parler de cette façon-là. Peut-être que je suis l'un des rares à faire ça, mélangeant mon avis personnel avec les tirages. Mais il faut savoir que lorsque je fais un tirage, je suis neutre au moment du tirage. Toujours ce moment positif que les gens ont à se retrouver. Donc ça, pour ça, il n'y a pas de souci, hein. Les gens se retrouvent, il y aura du nombre aussi, il y aura des endroits peut-être où les manifestations seront annulées ou pas, ça je ne sais pas. On a la force qui confirme le chiffre, qui est quand même un gros chiffre pour demain, encore une fois, pas autant que d'habitude, mais un gros chiffre tout de même. Voilà, avec un peuple qui est toujours confiant et qui garde la confiance en lui. On ne peut pas leur enlever ça. Mais malheureusement, moi, je suis sur un point de vue objectif. Si ça continue comme ça, ça va finir comme les gilets jaunes. Et après, on a le diable, des tensions, un manque de contrôle, tensions policières et manifestants qui est toujours là, qui ressort. Un peu de brutalité, peut-être moins que d'habitude, c'est à voir, mais on a toujours cette carte qui représente le gouvernement au pouvoir et les gens attachés à une chaîne derrière qui sont obligés de suivre le mouvement et qui n'ont pas d'autre choix que celui-ci. Voilà, j'espère que ce petit tirage qui vous aura un petit peu éclairci, hein, mais c'est plus ou moins comme d'habitude, c'est pour ça que j'ai surtout donné mon opinion, pour faire vivre un peu la vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci si elle vous a plu, et n'hésitez pas à la partager au maximum. Je compte sur vous les amis, j'espère que il y aura un maximum de partage et voilà, et que je compte sur vous vraiment pour me donner aussi vos avis dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, et encore une fois merci à tous.